Guédelon ist ein Projekt von experimenteller Archäologie. Das heißt, man probiert aus, wie wohl im 12. Jahrhundert eine Burg gebaut werden konnte. Und vieles muss man erst ausprobieren, weil man es nicht genau weiß. Man hat Zeichnungen davon, man hat Grundrisse, aber man hat keine genauen Details der Maschinen oder der Werkzeuge im Einzelnen. Und so tastet man sich heran, indem man alles erstmal, soweit es geht, erforscht und als nächstes dann ausprobiert. Und so entsteht hier seit 1997 in Guédelon eine Burg. Und zwar, wie sie Philipp II. August, der Baukönig, hätte bauen können. Sie besteht aus einem Kapellenturm, dem Bergfried, dem Palas, Eckturm mit Taubenschlag, Pultdach und Pforten und Ziehbrunnen und einem Tor, dem Haupteingang der Burg. Gleich zu Anfang so einer Burg muss natürlich geguckt werden, dass man das Material in der Nähe hat. Es macht keinen Sinn, tonnenschweres Gestein, wer weiß wie weit, zu transportieren, sondern man baut die Burg dort, wo man solche Materialien hat. Ouais, mais je t'en fais. Parce que là, je vois qu'il y a une plateforme.
Tire la couette. Ouais. Tu peux l'enlever, tu peux l'enlever ça. Bon, on va reprendre un peu. Je l'ai. Fais en sorte que tu puisses tailler ton genou un peu. Tu vois, on va plus mettre de pente. Hein. Ouais, je pense. Hein. C'est chiant, ça fait pas là que ça touche. Ouais, alors,
Attention à vous, monsieur. Monsieur. Donc la qualité du travail de là-bas, on va le ressentir ici, parce que si, quand ils ont malaxé, ils ont laissé des petits cailloux, et quand on va râler comme ça, bon, on va les retrouver. Ça va faire des traces. Oui, et là ça c'est pas bon, même si c'est à la côte intérieure, c'est pas bon quand même, là ça va, on va pouvoir le récupérer, et bon, moi c'est parce que j'ai pas encore le coup de main, et normalement tout ça, ça disparaît. Vous voyez, voilà. Il y a eu un petit truc ici, c'est pas bien grave. Voilà. Puis après, il faut faire ça pour la grande cargo qui était prévu ici. D'accord. Voilà. Baisse un petit peu pour les tailles, pour que ça tienne bien. Personnel, on peut. C'est pour l'éternité là. Oui, voilà, c'est pour l'éternité. Et c'est juste séché, il n'y a pas de cuisson. Ah, si, si, la cuisson il faut. Non, parce que sinon ça ne tiendrait pas. D'accord. Avec des quelques pluies de la gelée, tout ça en série quoi. Oui, oui, ça repartirait. Voilà, et on passe à la suivante. Ah, voilà. Vous en faites combien? Vous changez de linge à chaque fois? Non, là je secoue un peu parce qu'il faut que ce soit, faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Oui. Parce que sinon, ça se plie. On le réinstalle. D'accord. Et à l'heure, tu en as fait 10 en 1h30. Oui. Vous voyez, là, il y a un pli, ça. Ça va pas aller, il faut l'enlever. Ici, on va faire ce trou. Ici, vous devez faire les trous. Un peu débarré. Et alors, c'est avec des trous. Alors là, à mon avis, tu peux la reprendre celle-là. Je change un peu de tissu. Thank you.